salue le divin qui est en vous. Je vous avais promis de parler du karma des garçons. Et quand je dis garçon, je parle des garçons avec grand G. Comprenez-nous. Et suite à une vidéo que j'ai faite avec coach la mère divine, beaucoup m'ont contacté disant que non, ils sont étonnés que je dise que c'est dangereux d'avoir plusieurs femmes. En fait, je n'ai pas dit que de ne pas avoir plusieurs femmes, j'ai parlé de sept niveaux. Vous voyez, je parle de sept niveaux de vérité que l'homme spirituel ou l'homme ou le citoyen lambda a besoin de cerner avant de se mettre dans ce contexte de plusieurs femmes. Vous voyez? Parce que moi-même là où je suis, s'il y a besoin de plusieurs femmes, je dois me mettre dans le bain, dans le contexte. Mais comme ce n'est pas ma vision, mais je dois quand même vous l'expliquer. Vous comprenez que ce n'est pas aussi facile en ce 21e siècle d'avoir deux femmes ou plusieurs femmes ou des concubines. C'est possible, mais avec une certaine responsabilité occulte que le citoyen doit cerner avant de s'y mettre. Alors, pour cela, je vais vous parler de sept choses très importantes que vous devez cerner en tant que garçon avant de mieux se trouver dans le contexte d'une femme, de deux femmes ou de concubinage. Parce que des fois, il y a des mâles nécessaires et des mâles toxiques. En maîtrisant ces sept niveaux de karma, parce que j'ai préparé sept points très essentiels où j'ai nommé les sept valeurs pour maîtriser le karma des garçons. Les sept valeurs pour maîtriser le karma des garçons. Oui, il y a le karma des garçons. Il y a le karma des garçons. Et il y a le karma des filles. Vous voyez? Donc, au point 1, il faut d'abord être sur le chemin de votre destinée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Être sur le chemin de votre destinée. C'est très simple. Il y a des gens qui travaillent, mais ne sont pas à l'aise, veulent changer de travail. Alors qu'ils ont déjà fait 6 ans. Déjà, c'est très mauvais quand on veut vouloir changer de travail, quand vous avez déjà fait 6 ans dans un travail. Soit vous changez radicalement, soit vous persévérez. Quelqu'un qui n'est pas sur le chemin de sa destinée, il n'est pas à l'aise quand il travaille. Chaque jour, il a des problèmes. Chaque jour, il a toujours des problèmes. Ça ne finit jamais. En tout cas, il y a un problème dans votre travail. De deux, connaître bien la femme sur le plan occulte avant de se marier ou le faire bien après le mariage. Oui, il y a des gens qui ne connaissent pas ce que c'est que la femme, mais sont comme ça avec leur femme, mariés ou en concubinage, depuis 6 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans, mais ne savent pas qu'il y a des choses qui bloquent. Il y a des choses qui bloquent. Et ce blocage doit être débloqué. C'est pourquoi il faut comprendre le côté occulte de la femme. Parce que la femme est naturellement démoniaque. Je dis bien naturellement. Ce qui veut dire, c'est comme l'acide. L'acide, on peut pas boire, mais c'est nécessaire, c'est important. Vous comprenez déjà. Au point 3, connaître l'anatomie occulte du sexe. Oui, l'anatomie occulte du sexe doit être connue. C'est très important. Au point 4, avoir une bonne connaissance de soi avant de s'aventurer dans une femme ou deux femmes. Oui, les gens n'ont aucune idée de ce que c'est que la connaissance de soi et chaque jour, ils font face à des imprévus. L'imprévu n'existe pas. Sur le plan occulte, l'imprévu n'existe pas. 5. Donner un enseignement occulte aux enfants une fois par semaine. Ça aussi, c'est nécessaire. Très important. 6. Maîtrisez bien votre corps physique en matière de rapport sexuel. Ça, c'est clair. Et 7. Connaître le pouvoir occulte de votre arbre généalogique. Voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir.